On me pose la question très souvent de Armel, tu es une énergéticienne et comment tu le pratiques? Est-ce que je pose les mains? Est-ce que c'est au niveau de l'échange? Comment ça se passe? Alors oui, je suis une coach énergéticienne dans le sens où je vais retravailler votre énergie, je vais rééquilibrer votre énergie et surtout votre vibration intérieure. Quand vous venez me voir, je ne pose pas les mains sur vous, donc je ne fais pas de soins énergétiques en ce sens-là, de manière traditionnelle. Ma façon de faire, c'est que nous restons dans l'échange et c'est en même temps qu'on échange ensemble que je vais rééquilibrer votre équation vibratoire et c'est quand votre équation vibratoire va se rééquilibrer que votre énergie va changer naturellement. Qu'est-ce que j'entends par rééquilibrer votre équation vibratoire? Votre équation vibratoire, c'est ce qui vous constitue. C'est comme si vous avez un arbre et que vous prenez conscience, vous dites « Ah tiens, je vais prendre soin de cet arbre » autant que vous allez prendre soin de vous. Vous allez le mettre au soleil, vous allez le positionner quelque part. En réalité, on a besoin d'aller travailler au niveau de la racine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la racine? Parce que quand on traite la racine, quand on traite le terreau, à ce moment-là, vous allez obtenir des fruits, vous allez obtenir un autre résultat. Donc, ce qui m'intéresse, moi, justement, c'est de vous amener une transformation concrète et qui soit durable dans le temps. Pour que ça puisse être effectif, ce changement énergétique va d'abord venir par une prise de conscience. J'ai besoin de prendre conscience de ma façon d'être aujourd'hui et de ce que j'ai besoin de changer aujourd'hui. Ça veut dire que si vous aspirez à un changement, ça veut dire que l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, votre vibration intérieure dans laquelle vous êtes aujourd'hui, a besoin d'être rectifiée parce qu'elle ne vous permet pas d'accéder à ce changement. Parce que très sincèrement, si vous avez envie, si vraiment tout était là, vous auriez déjà mis les choses en place. Je veux dire, vous n'auriez eu besoin de personne pour ça. Donc, la seule et unique raison pour laquelle vous ne pouvez pas enclencher votre changement, c'est tout simplement que vous êtes face à des résistances. Ces résistances-là, soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience. Et c'est mon job justement d'aller voir ce qu'il y a en dessous du terreau, là dans les racines, quelle est la défaillance au niveau de vos racines pour que vous puissiez vraiment éclore tel que vous le souhaitez vraiment. Donc, quand vous venez me voir en séance individuelle, l'échange qu'on va avoir va me permettre à la fois grâce à mon intuition et ma clairvoyance, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc plus vous me parlez, c'est comme des portes qui s'ouvrent pour moi, qui me permettent d'aller voir tout ce qu'il y a derrière, la problématique qui se cache derrière. Une fois que cette lecture au niveau de la racine de votre problématique, elle est là, la question c'est quelle est la combinaison et le mécanisme qui fait que vous êtes enfermé dans cette situation-là. Et ce mécanisme bloquant, c'est une équation vibratoire qui est défaillante. L'équation vibratoire en question, elle est une association de systèmes de pensée, d'émotions figées et d'actions figées. Donc à partir de cette combinaison-là, nous allons défaire tout ça ensemble. C'est la raison pour laquelle l'accompagnement, quand vous venez me voir, est un accompagnement à la fois doux et à la fois c'est dynamique. Dynamique parce que le changement, c'est vous qui allez l'initier. Je vais vous donner les moyens, à travers cette lecture, d'avoir la compréhension de ce que vous avez besoin de changer. Je vais vous offrir des outils pour vous permettre de vous mettre en mouvement, justement. Pourquoi c'est important pour moi que vous soyez dynamique dans cet accompagnement, parce que c'est important pour moi que vous repreniez pouvoir sur votre vie et que vous soyez maître de votre changement. Votre changement, vous en êtes la seule propriétaire. Le thérapeute est juste là, le thérapeute ou le coach, toujours l'habitude de dire thérapeute, le coach est là pour moi, pour vous offrir les moyens de faire ce shift à l'intérieur de vous, cette transformation à l'intérieur de vous. Et donc, quand vous venez me voir, cette transformation au niveau de la vibration intérieure, c'est ce qui va vous permettre de changer d'énergie et donc changer votre réalité extérieure. D'ailleurs, quand vous venez me voir, vous voyez bien que souvent je ferme les yeux, je parle, je ferme les yeux. C'est que quand je vais dire des mots ou des phrases, ces mots sont
ne sont pas dits au hasard. C'est des clés vibratoires, justement, qui vont désamorcer votre équation vibratoire, votre mécanisme bloquant. Donc, en fait, quand vous venez me voir en séance individuelle, moi, c'est comme si je suis face à un coffre-fort où je propose des chiffres, des clés, c'est des mots que je vous propose. Et en fait, à chaque fois, j'entends jusqu'à ce que j'entends le clic. Là, c'est bon. Et quand je vous dis là, c'est bon, vous-même, vous allez ressentir effectivement là, c'est bon. Voilà. Donc, après cette séance individuelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps d'intégration. Donc, vous avez besoin de vous sentir impliqué dans votre transformation. Ce temps d'intégration et d'ancrage, c'est une façon de fixer à l'intérieur de vous, dans vos mémoires cellulaires, la nouvelle information qui va permettre cette transformation. Donc, c'est comme une reprogrammation, un réencodage de vos mémoires cellulaires pour vous permettre vraiment que ce shift puisse s'imprégner à l'intérieur de vous et que vous puissiez en apprécier les résultats de manière durable. Donc, tout ça pour vous dire que un suivi sur plusieurs séances, c'est ce qui va vous aider vraiment à dire j'ai compris, on déprogramme, on défait tout, on reprogramme pour mettre en place ce que vous désirez. Voilà, je vous aide à le faire. Et il y a un temps d'intégration et d'ancrage qui est très très important avec une mise en action dans laquelle je vais vous aider. Donc, c'est un accompagnement assez complet qui va se jouer au point de vue énergétique, émotionnel, mental, au niveau du corps. Donc, c'est vraiment, je travaille sur plusieurs niveaux. Donc, j'espère que ces quelques mots vous ont permis d'avoir une idée de la manière dont moi je travaille et de ce qui... de ce que je sais faire, mon don unique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai vraiment ravie de vous répondre et je serai aussi ravie de vous accueillir pour des coachings en one-to-one sur des packs de 5 séances. Pour l'instant, c'est la formule intermédiaire, soit à distance par Skype, soit à distance par Skype. Voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.